Togo Info, le Togo à votre portée. Moi, je pense que nous allons gagner cette élection au premier tour. Parce que partout où nous sommes passés, l'ambiance est électrique. C'est la liesse populaire. Je me souviens de l'étape de Kara, où nous avons animé le meeting après 20 heures. L'étape d'Atapame, où nous avons animé le meeting après 21 heures. Donc les gens restent et nous attendent jusqu'à la tombée de la nuit. Pourquoi vous parlez du MPDD? C'est la dynamique, Monseigneur Kodrou. Je vous concède que nous nous présentons sous la bannière du MPDD, mais nous sommes plusieurs partis et associations autour du MPDD, de la candidature du MPDD, que nous appelons la dynamique, Monseigneur Kodrou. Alors, quelle est notre particularité? Vous le dites, comment nous arrivons à mobiliser les gens, même pendant la grande nuit? Ben, c'est que nous sommes portés par un mythe, le mythe Monseigneur Kodrou, qui dit que cette année 2020, il doit y avoir une alternance. Et je pense que les populations se sont saisies de ce mythe-là. Et partout où nous sommes passés, les populations attendent parfois depuis 14 heures, compte tenu des retards que nous avons dus aux aléas de nos routes, les régions, etc. Mais les gens nous attendent parfois de 14 heures, de 16 heures jusqu'à 21 heures. Mais je pense que ça, c'est inédit. On ne l'a pas vu dans d'autres campagnes. Mais notre spécificité, c'est que nous sommes portés par un mythe, nous sommes portés par un courant qui exige que cette année, il y ait une alternance au Togo.